Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle René-Pierre Latir-Senghor, en classe de 9e A à l'Institution Notre-Dame. Merci beaucoup, mon très cher René Latir-Senghor. Alors, petit-fils de Senghor, pour nous parler de sa passion pour la littérature. J'aime bien lire, pour découvrir de nouveaux mots et d'autres histoires. C'est grâce à mes deux parents. Avant, pour la dictée, je ne réussissais pas trop bien. Qu'est-ce qui vous posait problème à la dictée? C'était les terminaisons. Donc, ils m'ont acheté des livres. Maintenant, j'ai de bonnes notes en dictée. Quels sont les livres que papa et maman vous achetaient quand vous étiez plus petit? J'imagine que vous en gardez de bons souvenirs et de beaux souvenirs. Oui, il y a Luc le lièvre, le professeur Senghor. L'histoire est vraiment intéressante et les dessins sont beaux. Luc est un aventurier, il est très sympathique et très ouvert d'esprit. Naturellement, vous l'aimez bien. Oui. Aussi des livres comme les bandes dessinées. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous organisez pour trouver le temps de lire? Soit, quand je finis mes exercices et que je n'ai rien à faire, je prends le livre, je lis. Ou quand je finis les leçons et que j'ai pas d'exercice. Ou que c'est le week-end. Vous aimeriez écrire plus tard? Non, merci. Pourquoi? Je préfère plus les activités sportives. Un métier? Mon père m'a appris à jouer au basket depuis que j'ai 4 ans. Je souhaite devenir basketteur. D'accord, un grand basketteur. Le basket rapporte plus d'argent qu'au football. Vous en êtes convaincu? Oui. Alors bonne chance, mon très cher Latir. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Le plaisir des enfants avec l'institution Notre-Dame. C'était un plaisir d'être avec les petits anges dans une très belle ambiance. Merci beaucoup, les amours. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Zéro Faute, le plaisir de la langue.